Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 17 de Resident Evil 7. Et du coup, après quelques morts, je me suis rendu compte grâce au jeu qu'en fait... Non, au pire... Non, je vais vous raconter. En fait, il y a l'huile dans la salle. La sorte de... le gros tonneau là, qu'on dévisse. Le truc, c'est que j'ai pas besoin de le dévisser. Et donc, s'il n'y a pas de tonneau, il n'y a pas d'huile. S'il n'y a pas d'huile, ça brûle pas. Et du coup, c'est là que ça diffère. Enfin bref, vous allez comprendre. Passe une bonne journée. Je sais pas comment il a fait pour être là alors qu'il y avait personne. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, allez, on fait ça vite. On fait ça bien. Donc en fait, la manivelle... Bon, je vais le laisser parler. Vas-y, parle. Bien, que dirais-tu de jouer à un petit jeu? Tout ce que tu dois faire, c'est allumer la bougie et la mettre sur le gâteau. Va chier, du con! Ethan, ton langage! Il y a des enfants dans ce bâtiment. Et quelque part... Enfin, je crois. J'en sais trop rien, en fait. Ouais, donc... nous... Vous vous souvenez? Bref, non, je vais arrêter d'essayer de faire des explications, je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Bon, déjà, ça, je sais pas s'il y a besoin de le faire, mais en tout cas, je le fais. Du coup, ça, on prend surtout pas. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je me souviens du code, mais est-ce que j'en ai besoin, du coup? Non, je n'en ai pas besoin. Donc, on a besoin d'allumer, par contre, le gaz. Le lance-flamme, voilà. Si ça s'allume comme ça chez toi, je peux dire que tu peux commencer à t'inquiéter. Bah non, du coup on n'a pas besoin du télescope. Non, en fait c'est ultra rapide hein, quand on sait ce qu'il faut faire. Hop. Est-ce que j'en ai besoin de ça? Je sais plus. Bah non, même pas. J'ai juste besoin de... d'écrire loser et puis ça va passer tout seul. Avec ma main recollée à la zeb là. Donc maintenant on allume. Et en fait on skip toute une partie Là donc vous notez qu'on n'a pas enlevé la manivelle. Du coup il n'y a pas d'huile sur le sol. Donc ça va pas prendre feu. Et là je sais pas du tout, j'ai pas vu la suite hein. Là c'est de la découverte. Bon, j'avais 20 secondes, donc ça va mettre un peu de temps. Attends, on va se mettre là. C'était censé être pour toi, putain de merde. Il est salé. Il est salé. Mais du coup, la dynamite, elle est tombée d'où, là? Tu m'expliques? Ah, par là. Très bien, très bien. Ouais. Je sais pas. T'es sûr que... Ah, il était juste là! Il était juste là, l'enfoiré! Oh!
Ok, bon, on va. Attends, attends, attends. Avant toute chose, on sauvegarde. Parce que j'ai galéré pour en arriver là. Hop, on prend le plan. Nice. Et Fissure, il me dit le choix, réfléchis au choix. Ouais, mais le truc, c'est que je sais pas. Je sais pas quel choix j'ai à faire, donc. C'est un peu le malaise. C'est bien dégueulasse, ça. Hein. Enfin. London. Ah putain, c'est vrai, j'ai plus mon inventaire. Faut que je prenne tout. Oups. Et ça, j'avais laissé. Voilà, c'est mon inventaire. Par contre, c'est le bordel. Je vais me perdre. J'ai pas pris le couteau. Si, j'ai pris le couteau. Ça, c'était là. Ça, c'était là. Ouais. Le couteau, il est là. Oups, qu'est-ce que je fais? Merde! Non! Le ballon, je m'en fous en vrai. Hein. La clé serpent, je crois que j'en ai plus besoin non plus. Oh, il est gentil, Fever, il me dit. Essaye de réfléchir pour l'antidote, peut-être c'est par rapport à ça. Donc en fait, il me met sur la piste, mais il me dit pas de quoi il retourne. Et il me dit de prendre des bonnes armes. Ok. On va prendre des grenades. Oups, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ok, c'est bon. On organise tout. Donc prends des bonnes armes. Bah écoute, ah oui, il y a ça comme bonne arme aussi. 5 balles de magnum, je pense que ça peut faire la diff. Je vais m'équiper de ça. On va tester le lance-grenade. Bon, c'est un peu le bordel l'inventaire là. C'est un peu du n'importe quoi. Ok, là c'est un peu plus propre, même si comme ça ce serait mieux. Je peux même, en vrai le couteau pendant un boss, je pense pas que ça me serve. Ouais, même si c'est équipé comme ça. Donc attends, lance-flamme, magnum, lance-bouboule. Attendez, on va recharger. Voilà, comme ça c'est rechargé. Sauf que je préfère avoir des grenades incendiaires quand même. Et on me dit que le lance-greu ça va pas être très utile, mais bon, on sait jamais. Je préfère le prendre, quitte à le prendre pour rien. Mia? Mia! Mia! Qui es-tu? Où êtes-vous? On est au bout de la jetée, à l'extérieur de cette pièce. Fais vite. Bon alors, Ethan. Qu'est-ce que tu veux? Mort? Le moment est pas encore venu. Pas encore. Quelle chance! Écoute, à moins que t'aies d'autres surprises dans ta manche, je te conseille. Oh, ce serait te raconter la fin, Ethan. Et je déteste les spoilers. On est deux. Connard. J'ai pas ce qu'il faut pour faire des soins. J'ai une herbe. Ouais, mais on va peut-être trouver du fluide. Je me soigne pas pour l'instant, on se soignera après.
crayon. C'est... Ça ressemble à quoi? On sait pas. Non, c'est pas encore tout à fait le boss. On va loot un petit peu. Et ensuite, ce sera bon. Ah, des mines de pistolet. Et lance-grenade, ça va pas être très utile. Ok, bah, je vais poser le lance-grenade. Je pose le lance-greu. Et je vais m'équiper de mon pistolet. Vu que j'ai des balles, là. Okay. Pistolet, fusil, lance-flamme, magnum. En vrai, 10 balles de magnum, c'est quand même super bien. Je suis bien, je pense que je suis bien pour affronter le boss. Il me faut la manivelle. Je vais la reprendre. Je l'ai pas. Que d'aller-retour. En fait, je sauvegarde parce que j'ai fait mon inventaire et tout. Et puis si je perds, j'ai pas envie de devoir refaire tout mon inventaire. La manivelle, où est-elle? Là. Désolé. Hop. Je pourrais aller la reposer, mais c'est bon, on a perdu suffisamment de temps. Mia. Mia, ça me fera toujours penser à... à la sœur de Dom dans Fast and Furious. Ah là là. Que de souvenirs. Pour le tout premier. Après, les autres, ils sont moyens, mais le tout premier, c'était de la bombe. Ok, donc ils sont là. On va aller là. Hangar à bateau. Ah, je suis pas équipé de mon pistolet, enfin de mon couteau. Il y en a qui stressent. Oh putain. C'est bon, ça m'a saoulé. Ok. Bah heureusement que j'ai pas rangé la manivelle. Sinon ça aurait fait un aller-retour pour rien. Et je suis capable de le faire en plus. J'aurais été capable de le faire. Oh bâtard. Désolé pour le gaspillage. Eh non non, mais t'es pas des musiques comme ça là, c'est stressant de ouf hein. Wouh. Ok. Comment ça se fait que toi t'es pas mort mais que ton pote il l'est? Attends, 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 c'est quoi le délire là? Non, faut que je cours, je pense. Je pense qu'il faut que je cours. Pas que je les tue. En fait, si.
C'est bon? C'est bon ou pas? Ouais. Oui, j'ai la flemme. Wouh! Oh, toutes les grenades! Wouh! Ah ouais, mais là, mais. C'est évident! Si le mec qui joue au jeu et qui comprend pas qu'il y a un boss juste après, c'est qu'il est vraiment con comme une bite, hein, sérieux. Attends. Bon bah. J'ai pas mal de soins. Il est où le bras? Ah oui, je l'avais posé. Ok. Eh bien... sauvegarde et puis bonne chance à moi. Et on me dit de m'arrêter là. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée parce que je sens que le boss, je vais pas le faire en une fois. Et après la vidéo sera trop longue en fait. Je pense que je vais fail, hein, je me connais. Donc tu vois, même si c'est court, on va s'arrêter là pour cet épisode 17. Et on se retrouve pour le boss dans l'épisode 18 dans quelques jours. Salut.